Le numéro 203, une fille de l'étalon magique, Le Havre. Placé quatrième du prix Sunprint sur les pendants de Maison Lafitte. On a la chance qu'il soit stationné en France, Le Havre. C'est vraiment un étalon magique quand on prononce le mot Le Havre, quand on prononce le mot Siouni, Ken d'Argent. La mère Talwin était Black Type, et toujours Black Type d'ailleurs. Troisième de liste, cette fille de Dallart. Une origine Nyarkos. Parce que la troisième mère n'est autre que la championne Northentric, qui avait gagné le Diane, le Vermeil. Elle s'était placée deuxième du prix de l'Arc de Triomphe. Elle est devenue la grand-mère de Lightshift, qui avait gagné pour Henry Cecil. Sir Henry Cecil, je crois qu'il était déjà à l'époque anobli par la reine d'Angleterre. Quand la Chiefs avait gagné les Oaks d'Epsom. D'ailleurs, la Chiefs est morte, hein, malheureusement, cette année. C'est la famille de Main Sequence, quadruple lauréat de groupe 1, après s'être placé deuxième du derby. 25 minutes maintenant. Avec qu'est-ce qu'elle est belle à 25 000. Avec très très course à 25 000. À 25 000 l'enchaîne maintenant. 25 000. À 25 000. À 25 000. Remettez-en une là maintenant. 25 000. À 25 000. Nathalie 27. L'enchaîne maintenant. 25 000. 30 000 euros. À 30 000. C'est la question d'hier. 35. Nathalie. À 35. À venir certain. 7. 37. 37 minutes maintenant. 37. Et la questionnaire évidemment. À l'une des prochaines favorites du prix de l'Arc de Triomphe. Une fille de Le Havre également. À 45, Nathalie, maintenant, je vous entends pas là. 47, voulez-vous ? À 45, 7, si vous voulez. À 45, le cheval Laurence ici. À 45. À 40, n'arrêtez pas. 45, 40, qui m'appelle ? 50 000 euros. 50 000 euros. Alors, qui met les enchères ? Laurence est contre vous. Carlos Lerner qui est là. Bertrand Métayer également. J'aperçois Carlos Lerner, Bertrand Métayer. Nicolas de Vatrigan qui est aussi au téléphone. 60 000, n'arrêtez pas. 60 000. Hervé Bunel, effectivement, qui sont très intéressés. Il y a aussi Mathieu Alex. Ouais, là. Attention, on a peut-être le top price là qui est en train de se réaliser. Qu'est-ce qu'elle est belle, effectivement, elle ressemble beaucoup à son père et c'est peut-être un top price qui va être réalisé par le Haras des Granges, 4,75 000. Attention, nous ne sommes plus qu'à une seule enchère du top price, puisque le top price a été co-réalisé par deux yearlings à 80 000 hier. Une enchère et nous en serons à un troisième co-top price. Alors on est à une marche de l'exploit. 75 000. Je rappelle que pour l'instant, les deux top price sont à 80 000 euros. Ensuite, nous avons un troisième top price et quatrième top price à 77 000 euros. Ça y est. Ah, 77 000 euros. 80, ça y est. On est reparti. Alors, j'arrive pas à distinguer qui est en train de mettre les enchères. 80 000 euros. Nous avons un troisième co-top price ici. Une seule enchère et il viendra le premier. Et ce sera donc un grand moment, pas autant pour Le Havre qui est habitué de ce genre de prix, mais pour le Haras des Granges de Mathieu d'Aguzan-Garros. Et allez, ça y est, c'est bon. 85 000 euros. Ouf, 90 000, on repart d'entrée de jeu. De l'autre côté, est-ce que nous avons Paul Basquin ? Est-ce que nous avons Hervé Bunel ? Sincèrement, les acheteurs sont discrets, je n'arrive pas à les distinguer. Mais nous en sommes à 90 000. Peut-être maintenant va-t-on passer la barre symbolique des 100 000 euros. Les enchères ne sont pas terminées. Ouf. Oh là là. 110 000 euros. 110 000 euros, mesdames, messieurs. Le top price est en train de se faire.
25 000. Qu'est-ce qu'elle est belle à 110, son cher à droite ici. Enfin, il est fait déjà. Peut-être qu'il sera battu plus tard, mais pour l'instant, nous sommes au un superbe top price à 110 000 pour une Le Havre. Né le 15 janvier, Talwin, la sœur de Lethal Weapon, famille de Northern Trick. Et attention, à 110 000. Qui achète à 110 000 euros? John O'Kelly essaye de d'avoir une autre enchère. Merci pour votre aide quand même. À 110 000, on est juge. Laura, merci beaucoup. 110 000, merci Laura.